C'était vraiment un choix du cœur et c'était vraiment un rêve d'être ici. Votre famille était au courant par rapport à votre choix? Qu'est-ce que vous avez conseillé de jouer en Algérie? Enfin, au tout début, c'était avec eux, ma mère qui était au courant, mais je ne voulais pas déclarer ça même sur les réseaux sociaux. Et sinon, bien sûr, une fois que ma famille ici en Algérie ont vu mon choix, ils étaient très fiers et voilà, très heureux pour moi. C'est un rêve de gosse qui se réalise en... Moi, comme je l'ai écrit sur Instagram et sur Facebook, oui, c'est un rêve de gosse qui se réalise. L'invitation, je l'ai reçue comme tout le monde il y a quelques jours, mais sinon, oui, bien sûr, j'ai eu une discussion avec le coach et voilà quoi. Votre objectif avec l'équipe nationale de... Mon objectif, c'est de jouer le maximum de matchs, de gagner le plus de trophées, parce que voilà, on est une grande nation et il faut en profiter d'une génération comme celle-ci. Pour la concurrence au milieu de la défense ou bien en arrière-gauche, quel est votre poste préféré? Préféré, j'en sais rien, mais en tout cas, en ce moment, je joue au défenseur central gauche et on verra bien ce que le coach décide ici. Le rêve de jouer la Coupe du Monde 2022 avec l'Algérie? Bien sûr, on a le 2022 et toutes les autres Coupes du Monde, pardon. De rien, merci.